Oui, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Nous sommes donc je représente le pôle art et urbanisme, donc qui a une douzaine d'années maintenant. Nous sommes urbanistes, formation en aménagement du territoire. Moi-même, j'ai fait le CESA pour ceux qui connaissent. Je crois que je reconnais certains d'entre vous. Voilà, donc une approche de l'aménagement des territoires et de l'urbanisme, en convoquant de nouveaux talents, à savoir le monde de la culture, qui peut être à certains moments tout à fait pertinent pour travailler sur de nouveaux langages, de nouveaux vocabulaires, de nouveaux imaginaires sur des sujets complexes, comme notamment la question de la gestion de l'eau, du risque inondation. Alors, je vais vous partager mon écran, j'espère que tout ça va marcher. Le voici. Donc, le pôle art urbanisme, donc c'est une structure qui, comme je l'indique, donc travaille avec la sphère culturelle artistique, qui est basée à Tours, plus exactement à Saint-Pierre-des-Corps, qui accueille des équipes en résidence, des équipes d'artistes, mais aussi de chercheurs, d'architectes, de concepteurs, sur des enjeux de mutation, de transition, de transformation des territoires. Nous sommes aux côtés des collectivités et des établissements publics pour les aider aussi à imaginer des stratégies culturelles, soit pour définir des projets, soit pour travailler sur des volets participation, concertation. Tout ça donne lieu à de la ressource. Donc, je vous invite à aller voir le site du Polo, mais aussi à une plateforme qu'on nourrit qui s'appelle Arteplan, Arteplan.org. Et en 2012, nous avons réalisé, à l'occasion d'un travail sur le PPRI, de la révision du PPRI du Val de Tours, une expérience autour de cette révision et en confiant le travail à une équipe artistique pluridisciplinaire composée à la fois de dramaturges, de metteurs en scène, de plasticiens, mais aussi de cartographes, de paysagistes. Donc, c'est un peu cette nouvelle génération d'équipes composites et qui a attrapé ce sujet du PPRI. Il y a eu une année de travail, beaucoup d'enquêtes, beaucoup de rencontres, de détection des enjeux dramaturgiques aussi qui existent à travers ces documents réglementaires pour en faire un jour inondable, donc un scénario qui durait 24 heures et qui embarquait le public sur une vingtaine d'actions, à savoir à la fois assister à des ateliers de signalétique de vulnérabilité, à rencontrer et aller visiter un musée des objets sauvés, dormir dans un gymnase d'évacuation, assister à un plateau radio d'urgence, marcher sur la limite du PPRI, à droite inondable, à gauche non inondable, et à la fois en convoquant le cerveau droit et le cerveau gauche, donc rationnel, émotionnel, et c'est un peu le travail que l'on fait sur différents projets. Aujourd'hui, on travaille sur un projet lié à la transition énergétique avec des ingénieurs, mais aussi avec des musiciens pour la création d'un opéra de la transition énergétique. Donc, vous voyez, dès qu'on associe un peu ces deux cerveaux, d'un seul coup, la transition énergétique n'est plus un sujet aussi technique, lourd, complexe, voire grave, mais d'un seul coup, il prend une autre dimension et donc en cela, la dimension et le volet culturel peut consister une poignée pour attraper ces sujets. Voilà, donc récemment, nous avons travaillé sur un projet, donc certains ont peut-être entendu parler, qui s'appelle Vers un Parlement de Loire. Et donc, c'est un projet qui prend appui sur deux projets qui existent, à savoir un travail de Bruno Latour qui a imaginé il y a quelques années un Parlement des choses. Donc, Parlement des choses, en gros, faire parler les non-humains
Donc, les choses pouvant être aussi dire le vivant, et donc une approche très bottom-up, faire parler les constituants d'un milieu, d'un territoire, d'une organisation, et trouver des nouveaux langages de représentation. Donc, c'est une approche qui a eu lieu il y a quelques années, qui a donné lieu à une mise en scène au Théâtre des Amandiers. Donc, ça, c'est la première inspiration. Et la deuxième inspiration, c'est le fait qu'un certain nombre d'entités naturelles, notamment le fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande, mais aussi l'Atrato en Colombie, mais aussi le lac Harrier, ont obtenu une reconnaissance de personnalité juridique. Et donc, un fait tout à fait nouveau, une façon de reconnaître des droits au fleuve et aux populations liées au fleuve qui ont été victimes de préjudices et qui pouvaient obtenir réparation. Et donc, à partir de ces deux courants d'inspiration, nous sommes allés à la rencontre d'un écrivain qui s'appelle Camille de Toledo, que je vous invite à lire, qui était finaliste au dernier prix Goncourt, et qui s'intéresse à ces questions de l'environnement, des droits de la nature, et ces inversions, ces renversements, ces retournements, s'intéresse à la question des milieux. Des attachements au milieu et la façon dont il est possible de faire parler des voix humaines, non humaines, vivantes, non vivantes, et que ceci puisse constituer un parlement, et donc quelle serait l'institution potentielle qui en résulte. Donc vous voyez, c'est un travail de fiction, un travail de fiction institutionnelle, et une fiction qui a son poids de sérieux. Parce que en se disant ensemble, et si on allait vers un Parlement de Loire, ce projet de fiction institutionnelle, comment est-ce qu'aussi on pourrait concerner des différentes parties prenantes aux enjeux qui touchent au fleuve Loire? Et le fleuve Loire, vous voyez qu'on a enlevé l'article, ce n'est pas tant pour dire vers un Parlement de la Loire que vers un Parlement de Loire. Loire, pour dire aussi de façon emblématique les enjeux de réchauffement climatique, une biodiversité menacée. On a dans le visuel un grand paysage qui nous indique des variations des masses d'eau, qui nous indique un grand paysage, qui nous indique une alerte. Et donc, c'est aussi pour indiquer cette alerte que cette fiction existe. Voilà, donc ça prend différentes formes. On a commencé par des auditions du Parlement de Loire, donc en constituant une commission avec l'École du paysage de Blois, avec la mission Val de Loire, avec un philosophe, avec un prospectiviste de l'Agence de la cohésion des territoires, avec des commissaires art et écologie, enfin une diversité pour composer la commission autour de l'écrivain Camille de Toledo, l'idée étant de réaliser un rapport, un ouvrage collectif, et puis toute une série d'initiatives qui sont à suivre. Voyez, donc ces auditions du Parlement de Loire se sont déroulées, là vous voyez Bruno Latour, Frédéric Aïtouati, toujours en public, et ensemble on travaille on dirait qu'il y aurait prochainement une reconnaissance de la personnalité juridique du fleuve. On dirait que c'est les entités qui constituent le milieu pourraient rentrer les uns les autres en dialogue, qu'ils auraient des systèmes de représentation, etc., etc. Donc c'est à la fois une réflexion intellectuelle, une réflexion culturelle et qui irrigue différents milieux, que ce soit les milieux juridiques, écologiques, culturels, de la sociologie, etc. Voilà, donc nous avons produit déjà ces auditions, des podcasts qui ont été enregistrés pendant le premier confinement et bientôt la réalisation, la sortie de ce rapport des auditions qui est nourri également par des juristes de Notre Affaire à tous, qui sont des juristes qui travaillent à référencer
comment à l'international, ces différentes entités naturelles ont obtenu une reconnaissance juridique, soit à travers la loi, soit à travers des décisions de justice. Voilà, donc le Parlement de Loire, ce n'est pas qu'une démarche intellectuelle, c'est aussi une démarche sensible. Donc il y a eu à l'école du paysage de Blois toute une séance, une séquence d'écoute des sons de Boris Jolivet, audio-naturaliste, un travail avec l'équipe de la Rabouilleuse pour aller au contact du fleuve, et puis des séances d'éco-psychologie. Voilà, donc quels sont les objectifs communs entre démarche créative du Parlement de Loire et la démarche concertation du SDAJ? Voilà, on dit faire culture commune autour des enjeux ligériens, imaginer une nouvelle forme de cohabitation avec le fleuve, œuvrer à la préservation de la biodiversité en mobilisant notamment les imaginaires et les affects, et sensibiliser à l'indépendance entre biodiversité et activité humaine par la connaissance et l'éprouver. Voilà, donc les propositions que l'on fait et qui sont issues d'un certain nombre d'échanges avec l'Agence de l'eau, mais aussi avec l'École du paysage, mais aussi avec les pêcheurs, avec Philippe, Catherine Boineau, c'est donc de travailler sur trois propositions dans le calendrier de la concertation. Donc notamment une marche de Loire le dimanche 11 avril vers Blois. Donc l'itinéraire est en train d'être travaillé avec l'École du paysage de Blois sur la thématique d'aller faire une cinquième audition qui est aller auditionner le fleuve en tant que tel. Donc on est en train de constituer ce moment-là. Une deuxième proposition de chronique de Loire, donc des créations radiophoniques avec l'atelier Java. Donc nous imaginons là encore, et ceci en lien avec vous tous, de travailler à 5 à 6 chroniques de Loire, donc en prenant le parti de faire parler des entités constituant le milieu. Donc, à voir, à définir. Il y a tout un atelier d'écriture qui va avec. Et enfin, des infusions de Loire, donc ce qu'on appelle des journées professionnelles entre techniciens aménageurs, mais aussi artistes qui peuvent. Donc, on a proposé deux dates et de faire ça à Saint-Pierre-des-Corps, chez nous, au Polo. Voilà, j'en ai à peu près fini sur la présentation. Les partenaires de la démarche Parlement de Loire sont ici, des partenaires à vos idées de la région Centre, Val de Loire, la ville, la métropole, la mission Val de Loire, mais aussi Cyclique, dispositif Autoras aussi. Voilà, je mettrai le lien du site, mon contact également dans le chat. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous présenter effectivement ces initiatives associées au Parlement de Loire et notamment ce que vous avez prévu dans le cadre de la consultation, parce que c'est vraiment effectivement ce qu'on est venu rechercher, d'avoir des exemples un peu concrets de ce qui peut être fait.